En manchette ce soir, une course-poursuite qui finit dans le PFK de Val-d'Or. Un homme de 18 ans a été arrêté. Plusieurs infrastructures sportives attendues dans la région. Et montant record qui dépasse les attentes pour le défi I Am Gold. Bonsoir tout le monde et bienvenue au TVA de 18h. Vous l'avez sans doute vu, mais une partie du PFK de Val-d'Or est plutôt amochée. Un automobiliste est rentré de plein fouet dans le restaurant cette fin de semaine. Félix Blaquière nous explique. Les images de l'incident ont fait le tour des médias sociaux ici à Val-d'Or cette fin de semaine. La devanture du restaurant PFK a été la destination finale d'une course-poursuite entre la Sûreté du Québec et un jeune automobiliste de 18 ans dans la nuit du 1er juin, environ vers 2h15 du matin. Les policiers qui se trouvaient déjà dans le centre-ville de Val-d'Or ont été témoins en fait d'un conducteur qui a omis de s'immobiliser à un feu rouge. Donc, ils ont voulu l'intercepter. Mais le conducteur ne s'est pas immobilisé, donc ce qui a amené là, en fait une courte poursuite. Le conducteur du véhicule le fautif là, a perdu le contrôle du véhicule, donc il a frappé un poteau d'un feu de circulation et il a fini sa course là, dans un commerce. Malgré les dégâts importants causés au restaurant, personne n'a été blessé selon les informations de la Sûreté du Québec. Des accusations là, de conduite dangereuse et de fuite là, pourraient être déposées contre lui. Heureusement, là, le jeune conducteur a subi seulement des blessures mineures, puis personne d'autre n'a été blessé. Là. Une représentante de FMI, la société mère qui possède l'enseigne PFK à Val-d'Or, mentionne qu'il est trop tôt pour mesurer l'étendue des dégâts et qu'elle ne sait pas quand la salle à manger pourra accueillir des clients de nouveau. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Et d'ailleurs, en parlant de police, ils vont être à l'affût durant toute la saison concernant la lutte à la culture extérieure illicite de cannabis. Les activités des producteurs et des vendeurs qui agissent en dehors du cadre juridique seront encore plus sous la loupe. La Sûreté du Québec fera donc notamment des interventions pour localiser les productions extérieures illégales. Et elle rappelle que la culture et la vente peuvent alimenter le marché noir en plus de financer des activités criminelles. Les autorités invitent aussi les citoyens à être attentifs à des comportements suspects. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site web. Et à la question du jour, on vous demandait, trouvez-vous que la culture de cannabis est suffisamment encadrée? Malheureusement, en raison d'un problème de réseau, on n'a pas pu avoir le résultat pour ce soir. Daniel Legendre a heureusement été retrouvé sain et sauf. L'homme de 61 ans avait été porté disparu par la Sûreté du Québec le 1er juin dernier. Il avait été vu pour la dernière fois dans la nuit du 31 mai vers 1h dans le secteur du boulevard de l'Université et de l'avenue La Rivière à Rouyn-Noranda. Et sa famille avait des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité. Dans un autre dossier, coordonnatrice de la Maison Alternative pour elle depuis 25 ans, Cathy Allen partage la pluie d'éloges reçus la semaine dernière des équipes d'aide provinciale pour femmes victimes de violences. Elle sait que le mérite Colette Breton 2024 lui a entre autres été remis grâce à l'efficacité du projet Rabaska, entrevue d'Yvon Moreau. Et moi, ce que je retiens, c'est cet événement de 2015 qui a amené à l'arrivée du projet Rabaska. Est-ce que, ce qui s'est produit à ce moment-là, qui a inspiré là, ce regroupement-là, c'est quelque chose qu'on referait aujourd'hui? En fait, totalement, parce que c'est on a réalisé un peu à partir de ce moment-là à quel point c'était important de travailler en partenariat, de briser le travail en silo. C'est pour moi une très grande fierté d'être une des fondatrices de Rabaska avec des partenaires, là, la Sûreté du Québec, avec le SATAS et vraiment d'autres partenaires aussi qui ont contribué. On constate
constate aujourd'hui encore plus que jamais l'importance de travailler ensemble pour sauver des vies, avoir un langage commun ensemble, intervenir rapidement. Alors pour moi, ça, Rabaska, ça a été une grande fierté. Justement, le fait de tisser des liens entre les partenaires, c'est pas partout que les liens sont aussi forts, aussi solides et ancrés. Et chez nous, ça, on le fait très bien. Alors pour moi, ça, c'est une belle fierté. Conjointement, c'est là qu'on réalise la force qu'on peut avoir pour protéger les gens. Et c'est ça, je pense, qu'au fil du temps, d'avoir créé ces liens-là, d'avoir développé une connaissance de nos milieux respectifs et de nos expertises, ça donne grandement confiance aux victimes, ça, de savoir qu'il y a toute une équipe qui est là derrière elles pour la protéger. Alors, on parle évidemment de la protection des femmes, des enfants, mais aussi celle des hommes qui sont suicidaires, et de travailler avec le groupe pour hommes, bien, pour moi, ça fait partie c'est important aussi de prendre soin de tout le monde, parce que c'est ça qu'on veut. On veut prévenir le pire, puis on veut échapper des féminicides, prévenir le féminicide, prévenir le suicide des hommes aussi. Avec l'équipe que j'ai, c'est incroyable parce que on a réussi au fil des années à garder l'expertise à Alternative pour elles. J'ai la moitié de mon équipe qui a plus de 10 ans d'expérience. Donc, on a vraiment une solide expertise en violence conjugale. C'est ce qui nous permet de faire autant de projets. Parce que oui, il y a la maison, deuxième étape, mais on fait énormément de sensibilisation dans la communauté. On sensibilise les employeurs, on travaille avec dans les écoles, on fait de la prévention de la violence dans les relations amoureuses. Québec conclut une entente de principe avec l'Union des producteurs agricoles du Québec aujourd'hui. Une aide supplémentaire sera allouée pour aider les agriculteurs qui ont été touchés par la sécheresse en Abitibi et qui ont donc eu des problèmes de nourriture pour les animaux. Une autre aide viendra aussi les soutenir, surtout les producteurs maraîchers qui ont été impactés par la pluie abondante à l'été 2023. Le gouvernement souhaite également revoir les programmes pour faire face aux taux d'intérêt qui sont passés de 4 à 7 selon le Premier ministre François Legault. Et enfin, 14 mesures à court terme ont été identifiées pour alléger la bureaucratie. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Soyez avec nous après la pause, puisqu'on vous dévoile combien de personnes ont assisté à la 20e édition du Festival des guitares du monde en Abitibi-Témiscamingue, qui a été un franc succès. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord du Québec vous présentent la Bonne Nouvelle économique TVA. C'est devant près de 300 personnes que la Chambre de commerce et d'industrie d'Amos-Aricana a dévoilé le 10 mai à Amos les lauréats des 15 catégories du Gala Élite. Sous la présidence de David Ouellet de la miellerie La Grande Ourse, le Gala a honoré non seulement les succès d'entrepreneurs, mais aussi le parcours et l'implication de plusieurs personnalités et organismes de la région. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à Lasar et à Amos. Justine, on a eu un week-end quand même assez chargé, même une semaine, puisque la 20e édition du Festival des guitares du monde en Abitibi-Témiscamingue a été, on peut le dire, un franc succès. Mélissa, c'est plus de 20 000 entrées qui ont été comptées à travers plus de 50 activités musicales. La ville de Rouyn-Noranda était envahie de musique, puis ça, ça fait toujours du bien. Ça nous fait vibrer, puis ça fait du bien à l'âme, à l'esprit, mais aussi à notre corps, hein, à force de danser. On se met en forme. De Richard Séguin au Shirley, en passant par la famille de nuit, ce fut une édition mémorable du Festival des guitares du monde pour Olivier Nicole, le coordonnateur marketing en relations de presse du festival. J'ai trouvé la 20e édition du Festival des guitares un grand succès. Honnêtement, pour un 20e anniversaire, ça ne pouvait pas être mieux que ça. Les festivaliers étaient au rendez-vous, les bénévoles étaient dévoués, les membres du conseil d'administration étaient impliqués du début à la fin. La permanence a fait un travail exceptionnel, je dirais que sur toute la ligne, là, même au niveau des entrées, nombre de spectateurs, les nouveautés qu'on a instaurées aussi au Festival des guitares, les spectacles en soirée, l'exposition d'Alain Vézina, 45 tours de magie, tout ça a surpassé nos attentes. Donc, concernant un 20e anniversaire, ça va être difficile à battre pour le 21e.
Cette année, le festival a établi une nouveauté dans les spectacles gratuits en soirée. Il y a eu les Shirley, Gab Paquette et plusieurs autres qui ont mis le feu à la scène de la zone extérieure Agnico-Eagle et les festivaliers étaient au rendez-vous. Exactement. Non, ça a très bien fonctionné. Là. Comme la première soirée avec les Shirley, la météo n'était pas jolie. Fait que c'est sûr que ça allait être un petit peu plus dur d'amener les gens, même si, on a été surpris de la réponse des gens, même avec la météo. Il y a eu le premier body surfing du festival Les Guitares du Monde au Shirley. C'est complètement incroyable. Puis à Gab Paquette, on a eu 1000 personnes sur le site aussi pour un premier spectacle extérieur en soirée. Donc, honnêtement, on était très, très, très contents. Puis la réponse et l'appréciation des festivaliers semble bonne. Donc, on risque de peut-être recommencer ce type de soirée-là à l'avenir. Et Justine, on va maintenant au Témiscamingue, puisque les municipalités de Ville-Marie, mais aussi de Laurentville, collaborent toutes les deux pour un été rempli de spectacles. Pour les deux villes, c'était très avantageux de s'unir. Ça évite les conflits d'horaires, ça permet aussi de réduire les coûts et d'offrir aux citoyens de toute l'Abitibi-Témiscamingue une programmation de spectacles très diversifiée pendant tout l'été. Il y aura des spectacles pour tous les goûts et pour tous les âges. Mais ce qui va clairement faire plaisir aux habitants de Ville-Marie, c'est que la scène sur le bord de l'eau va être utilisée pour plusieurs de ces spectacles. Non, j'espère que les gens vont répondre présent. On le sait, nous, je ne suis pas inquiet, mais on le sait, à Ville-Marie, on a une super belle scène au bord du lac. Puis ça l'avait été nommé par les citoyens qu'ils voulaient plus de shows, qu'elle soit plus exploitée. Ça l'a été nommé dans des rencontres de consultation publique, ça a été nommé pendant un sondage qu'on a fait. Enfin, tu sais, là, c'est ça, on va leur redonner ça. Donc, j'espère que les citoyens vont être présents. C'est sûr que ça va être très, très varié. Autant à Laurentville qu'à Ville-Marie, on a plein de styles musicaux. On a de la pop, on a du rock, on a du heavy metal. On va avoir des DJ électro. On va même avoir de la musique africaine. On a un groupe qui vient de Montréal. Mais sinon, à part le groupe de musique africaine, on a vraiment fait la place aux groupes régionaux ou aux artistes régionaux, si on pense à ne serait-ce que Gabriel Côté, Elliot P, Northlander, il y a aussi Cathy Vachon qui va performer à Laurentville. Donc vraiment une sélection variée, je dirais, il va y en avoir pour tous les goûts et pour tous les âges. Et pour terminer, la tournée cinématographique Parcours plein écran s'arrête dans la région. Cette nouvelle initiative a pour but de faire découvrir l'art du court-métrage et favoriser la rencontre entre le public et les artisans. C'est gratuit et les deux prochaines escales de cette tournée seront ce soir à 19h au cinéma d'Amos et demain à 19h au cinéma Paramount de Rouyn-Noranda. C'est l'événement parfait pour découvrir l'art du court-métrage. Là, je vous dis, c'est une super belle programmation qui vous attend. Le gardien de but des Huskies, William Rousseau, a reçu les grands honneurs. Il a été nommé gardien de but de l'année de la Ligue canadienne de hockey. On vous explique le tout dans un instant. Les sports vous sont présentés par Thibault GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Même si certains dossiers sportifs de la région avancent, cela ne semble pas forcément être le cas pour d'autres qui prennent plus de temps à se réaliser. Alors que la ville de la Sarre a donné le coup d'envoi pour sa piste d'athlétisme, le complexe aquatique de Rouyn-Noranda lui fait du surplace qu'Emilia La Liberté. Les sportifs de l'Abitibi-Ouest vont finalement pouvoir bénéficier d'une nouvelle piste d'athlétisme de 6 couloirs et d'un terrain gazonné éclairé derrière la cité étudiante Polino de la Sarre. Une journée historique mémorable après 8 ans de travail pour monter un projet, le faire accepter. C'est toute une communauté qui va en profiter, mais la clientèle étudiante, on parle de persévérance scolaire, on veut faire bouger nos jeunes de plus en plus. Fait qu'on va avoir un terrain haut de gamme qui va plaire à tout le monde. Le nouveau terrain, qui portera le nom de West Fraser, est évalué à 3,4 millions de dollars. Les installations vont favoriser la pratique de plusieurs sports, mais aussi la tenue de nouvelles compétitions, comme l'estime le président du comité de relance. Si on pense entre autres au soccer, donc il va y avoir un site, un terrain aux normes à 11 qu'on appelle, ce qui va permettre au soccer adulte de se développer, aussi au soccer pour les catégories plus jeunes, également de faire des compétitions régionales en athlétisme, entre autres le championnat régional scolaire. Le nouveau site sera donc accessible à la population d'Abitibi-Ouest à compter du printemps 2025. À Rouyn-Noranda maintenant, la ville a fait le point sur la construction du complexe aquatique qui tarde toujours à se concrétiser. On prévoit maintenant son édification pour 2027.
On a revu un peu le projet, on a maximisé, tout en gardant la même empreinte au sol, on a revu des choses qui ont été ajoutées par l'intérieur, si on veut, pour maximiser le nombre de spectateurs. Le dossier avait fait couler beaucoup d'encre dans les dernières semaines, puisque des clubs de natation jugeaient que les installations ne permettaient pas l'accueil de compétitions provinciales. La mairesse Diane Dallaire a voulu les rassurer, tout en prenant compte du budget de 29 millions de dollars dont dispose la ville pour ce projet. Vérifier avec les organismes provinciaux. Et oui, ils sont heureux même de venir tenir des compétitions chez nous et nous l'ont confirmé. Alors, partant de là, bien, on est bien contents. Donc, on parle, oui, de 6 couloirs de 2,5 mètres, ce qui est beaucoup plus grand que ce qu'on avait présentement au cégep, mais aussi assorti d'un bassin récréatif qui va aussi servir de préparation à nos athlètes. Les travaux de forage du complexe aquatique devraient donc débuter dès cet été et les appels d'offres devraient suivre dans les prochains mois. Kémilia Laliberté pour RNC Nouvelles. Et c'est un montant record de 210 520 $ qui a été amassé ce week-end lors de la 16e édition du défi 117-101 I Am Gold. C'est donc une mission plutôt réussie pour l'événement qui visait un objectif de 100 000 $ L'argent amassé par les 500 participants sera remis au comité de soutien à la pédiatrie de l'Abitibi-Témiscamingue et les fonds vont permettre l'acquisition de nouveaux équipements pour aider les jeunes malades. Le co-organisateur Yann Clermont se dit plus que satisfait des résultats de la dernière édition du défi. Ça a été un week-end extraordinaire. On est encore emballé, on est encore sur un nuage, même s'il n'y en a pas dans le ciel. On va essayer dans les prochaines semaines de mettre en lumière qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent-là? Qu'est-ce que le comité de soutien à la pédiatrie fait concrètement? Et on va voir que les besoins sont encore là, tant au niveau de l'équipement, tant au niveau de l'aide aux familles, au niveau aussi du soutien des familles lorsque les enfants sont hospitalisés. Ça peut être un cadeau pour un enfant malade, ça peut être de changer un peu le mobilier de la chambre d'hôpital pour que ça n'ait pas l'air d'une chambre d'hôpital. Donc vraiment, le comité a changé un peu son approche avec les sous qu'on leur remet. Le gardien de but des Huskies, William Rousseau, est nommé gardien de but de l'année de la Ligue canadienne de hockey. Les lauréats ont été dévoilés le 1er juin dernier lors d'une cérémonie, au Michigan. Et il figure ainsi sur la première équipe d'étoiles de la CHL qui a été choisie par la centrale de recrutement de la Ligue nationale de hockey. Et on rappelle que le portier des Huskies a terminé avec un pourcentage d'arrêt de 0,895 et a établi un nouveau record de ligue avec 8 blanchissages dans la saison régulière. Et d'ailleurs, en parlant de gardien, Jacob Sass des Citadelles de Rouyn-Noranda est nommé lui aussi meilleur gardien de but M17-8-3A au niveau de la Ligue de hockey d'excellence du Québec. En 19 rencontres cette année, le jeune gardien de 16 ans a atteint une moyenne de 2,05 buts alloués par match, mais aussi un pourcentage d'arrêt de 0,870. L'organisation des Citadelles de Rouyn-Noranda souligne son éthique de travail, mais aussi sa détermination. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous. Nouvelle au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone 1-866-463-4636 et notre site web tvabtb.ca. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. Et à la météo, Justine, on va avoir normalement d'autres belles journées comme on a eu aujourd'hui, mais cette semaine. Que du beau temps à l'horizon, on aime ça comme ça. Pour ce soir et cette nuit, partout en Abitibi-Témiscamingue, ce sera partiellement nuageux avec un minimum de 13 degrés. Demain, on s'attend à une alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 29. Préparez-vous à une journée très humide. Finalement, une aperçu pour mercredi, on aura une super belle journée ensoleillée avec un maximum de 31 pour l'Abitibi et de 30 pour le Témiscamingue. On va pouvoir se rafraîchir puis se gâter avec une bonne crème glacée. Ça fait toujours du bien. Ah ben oui, c'est une bonne idée. Merci, Justine. Merci d'avoir été avec nous ce soir. N'oubliez pas qu'on est sur YouTube et XTVA BTB Témiscamingue. Si vous voulez aller voir ou revoir les reportages, mais aussi les bulletins de nouvelles. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée et on se retrouve au TVA midi, donc à demain.